Bonjour tout le monde, c'est Kélian Ox, ses vidéos YouTube, reprend les débriefs évidemment. Bon allez, malgré tout, de Saint-Étienne pour la deuxième journée de cette saison en Ligue 1, en Ligue 1, en Ligue 1. Première à Geoffroy Guichard, défaite 0-2 contre Le Havre avec, sans les Copes Sud. Cop Nord. Que dire de cette rencontre? Trop de ballons perdus de Saint-Etienne, c'est trop brouillon. Pas assez tendre. Les tirs qu'on a fait au but étaient certes un peu sur le gardien à vrai, mais le gardien à vrai a fait son match. Il est là pour ça, pour arrêter les tirs, et il a fait même un très bon match. Enfin, un bon match de sa part. Mais on est rentré timidement dans ce match. On est rentré timidement. On a mieux joué contre à Louis II à Monaco. Oui, c'était peut-être une défaite encourageante à Monaco. Oui. Mais voilà, on va pas s'alarmer maintenant par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est que la deuxième journée, on va quand même se calmer, se détendre. On est en reconstruction. On vient juste d'être racheté. Il y a des recrues. Voilà, qui vont arriver, des recrues qui sont pas encore là, parce que s'ils ont été trop justes pour jouer, pour être aptes physiquement, voilà. Mais on le sait que Saint-Etienne a besoin du temps pour se reconstruire, besoin de recrues. Et à un moment donné, c'est que du temps. Oui, il faut en donner, mais c'est qu'on va pas trop en avoir. C'est qu'il y a 18 clubs, les copains, et que la saison, c'est que c'est un marathon, et ça commence dès la première journée, et si on commence pas à prendre des points de maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué. Forcément, si t'arrives pas à prendre des points faciles. Mais, j'ai pas trouvé une équipe de Havre, sincèrement, très très inquiété par Saint-Etienne, franchement. Peut-être est-ce que c'est sur le fait qu'il n'y avait pas le Cop Sud et le Cop Nord? Non, évidemment que non. Si on perd le match, ça n'a rien à voir avec ça. Pas parce qu'il y a deux Copes, mais, oui, peut-être que ça y joue, mais même si on a perdu le match, parce que voilà, on mérite pas de gagner, on a été en galère sur ce match-là, c'est trop brouillon, trop de ballons perdus. C'est, voilà, même dans la réactivité, j'ai retrouvé la même équipe. Puis tu le sais, quand t'es promu, une équipe de Ligue 2 arrive en Ligue 1, si tu gardes la même équipe qu'en Ligue 2, c'est très 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 compliqué. Donc forcément, il faut tout reconstruire, que ça soit de A à Z. On le sait, mais voilà, on va pas trop parler dans le vide parce qu'il n'y a que deux journées de fête. Mais j'attends évidemment que les supporters stéphanois attendent de mieux, en fait. Et je pense que malheureusement, il y a des joueurs dans notre effectif qui ont largement le niveau Ligue 2, mais en Ligue 1, c'est autre chose. Et la différence entre le niveau Ligue 2 et Ligue 1, je l'ai remarqué. On l'a vu ce soir entre Le Havre et j'ai trouvé entre Le Havre et Saint-Etienne. Enfin bon, ça n'existe pas. Après, ça excuse en rien la prestation qu'on a vue aujourd'hui de Saint-Etienne. Mais quand tu vois la prestation qu'on a eue à Louis II la semaine dernière, la prestation qu'il y a aujourd'hui, moi je comprends pas trop. Le football parfois c'est ça, des jours sans. Mais là c'est pas une question de jours sans, c'est trop, c'est trop brouillon. Là, aujourd'hui, on n'a pas été au niveau, faut dire les termes. On n'a pas été au niveau. Les termes sont là. Voilà. Il va falloir vite se reprendre. Et on sera toujours là. Et Olivier Dalloglio, président, m'énerve ces moustiques là. Je suis déjà sous tension, mais n'énervez pas, jouez pas avec mes nerfs, s'il vous plaît. Minimum de recrues, il nous faut. Il y a latéral gauche qui arrive. Voilà. Je sais pas réellement son niveau, mais voilà. On va voir ce que ça donne. On va lui laisser du temps, mais pas trop non plus. Parce que la saison, c'est vite. Il n'y a que 18 clubs. Ça va très, très, très vite. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je ne serai pas trop quoi vous dire plus sur ce match. Voilà, comment vous
vous l'avez vécu de votre côté, quelque chose qui ne changera pas, c'est ça. Allez les verts, partout et toujours.